Bonjour. Donc aujourd'hui, je vous montre comment fonctionne le programme et la vidéo de simulation. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai encapsulé ma simulation dans la fonction simulation. Du coup, dès que j'appelle la fonction, la simulation démarre. Donc j'ai utilisé une simulation d'erreur. Donc là, dans la fonction simulation, on peut observer la méthode de Euler qui permet de faire l'intégration. Donc là, on a la boucle for pour la méthode de Euler. Donc la première des choses, c'est de dessiner tout d'abord le cercle qui est la route dans notre cas. Et ensuite, on parcourt donc pour l'ensemble des véhicules. Nous avons choisi ici la 10 véhicules. Donc pour l'ensemble des véhicules, nous allons essayer de représenter le véhicule à chaque fois et obtenir la simulation. Donc, voici comment nous régulons avec la fonction contrôle fonction. Donc ça, c'est cette fonction qui va nous permettre en fait de modifier à chaque fois l'entrée U de notre système. Donc nous avons dans la fonction contrôle fonction là. Donc c'est la fonction qui est responsable de modifier à chaque fois l'entrée, c'est-à-dire la proportionnelle intégrale dérivée. Donc nous avons là la différence des distances, la vitesse et la régulation au niveau des vitesses. Et avec la fonction contrôle fonction, on retourne dans cette expression qui constitue donc notre entrée. Donc la simulation, vous l'avez là. Donc on peut voir nos 10 véhicules et là, on a le premier véhicule qui avance et à chaque fois il y a l'espace entre les deux véhicules qui essayent d'être régulés. Là, la régulation est déjà presque faite. On voit l'espace entre deux véhicules successifs commence à devenir constant et là, la régulation a été déjà faite. Cette n'est pas précise vu la méthode d'intégration qui est Euler. Avec la méthode de Ruijie-Kutta, on devrait avoir quelque chose de plus précis. Donc voici en gros comment fonctionne la simulation. Merci.